J'écris une chronique pour un journal quotidien. Autrement dit, je suis une espèce en voie de disparition. Papounet ! Avec 3 articles par semaine à écrire, je suis toujours à la recherche d'une piste. Les gens lisent toujours les journaux de nos jours, monsieur Wren. Quel bon vent vous amène ? C'est à propos du décès de votre mari ? Oui. Simon Crowley a été retrouvé dans les décombres d'un bâtiment démoli. Il se demande encore comment il a pu entrer. Le bâtiment était fermé. Pourquoi moi ? Vous avez trouvé la fillette. Monsieur Hobbs, Monsieur Porter Wren. Madame Cronley m'envoie très régulièrement une vidéo sur des cartes mémoire. Que contient-elle ? Des images fort compromettantes pour moi. Ça vous a plu de me regarder, pas vrai ? Hobbs m'a demandé de trouver une vidéo. Sur chacune de ces cartes mémoire se trouve une vérité. Donc je fouille dans ses affaires et je ne trouve rien. Et après ? Eh bien, vous poursuivez vos recherches. Pour moi. Un homme est entré dans la maison et l'a menacé avec une arme. Il cherchait quelque chose. Hors de question que mes gosses soient mêlés à ça, Porter. Des gorilles ont tiré sur mon fils aujourd'hui. Rappelez tout de suite, vous hommes. Je veux bien vous accorder un répit de 24 heures, monsieur Wren. Donne-nous la vidéo. Je l'ai pas encore. Non ! Plonger, j'emporterai tout sur mon passage et vous plongerez avec moi. Hobbs tient à récupérer cette vidéo. Il hésitera pas à me tuer pour l'avoir. Ça te fait bien arriver. Arrête, tu me fais peur quand tu dis ça. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Et elle est maligne et manipulatrice, monsieur Wren. J'écris une chronique pour un journal quotidien. Je vends chaos, scandale. Horreur et désolation. Je vends la sombre et majestueuse ville de New York et ses habitants.